Mardi soir, habitants du territoire, mais aussi acteurs et élus locaux, se sont donné rendez-vous à Arnes pour échanger sur l'avenir de l'agglomération de Lens-Liévin. Le but ? Déterminer pour les 10 ans à venir quelles seront les priorités pour le territoire. Une concertation a donc été lancée grâce à un questionnaire. L'idée, c'est bien en effet de sortir des grandes tendances. Donc, par rapport aux questions qui vont ressortir, on va pouvoir voir question par question finalement comment se classent les priorités. Et ces priorités vont derrière pouvoir venir alimenter le travail de réflexion des élus pour structurer des axes stratégiques, des objectifs, des enjeux, de faire aussi émerger quelque part les points de vue un petit peu différents entre les habitants du territoire. C'est ça qui est vraiment intéressant, ça va être de croiser voilà, ces visions et de faire ressortir des enjeux qui sont partagés. Des enjeux pour le territoire de la Cale, identifiés à travers de nombreuses thématiques, afin de cibler les attentes, les envies, mais aussi les besoins des habitants. Il y a beaucoup de sujets qui étaient déjà qu'on avait déjà identifiés, enfin qui ont été identifiés par les habitants, qui sont dans le questionnaire, qui vont être abordés. La place des jeunes notamment, comment on fait pour que les jeunes de ce territoire restent sur ce territoire, aient envie d'y vivre et se sentent en confiance. Le développement économique et l'emploi, la santé évidemment, vous l'avez dit. Tout un tas de thématiques qui sont quand même instruites dans le questionnaire et qui vont permettre de mesurer à une grande échelle un peu comment vivent les habitants de ce territoire et surtout ce dont ils ont envie en fait. Quelle direction va prendre ce territoire ? Après avoir écouté des paroles d'habitants et échangé, tous ont rempli le questionnaire, comme cette habitante, venue de Angres. Il est facile à lire, à comprendre. Et puis, il y a plusieurs possibilités de réponses aussi. Ça, c'est très bien. Pour Paul, très attaché à son territoire, il souhaite le voir évoluer. Moi, la chose que je changerais en soi, c'est peut-être le fait de repopulariser en fait, le Nord-Pas-de-Calais, parce que c'est vrai qu'on est... n'a pas forcément toujours une bonne réputation ou quoi que ce soit d'autre. Pouvoir avoir des infrastructures plus développées, plus de monde, on va pouvoir avoir plus de poids. Du coup, c'est ça que je changerai en priorité, je pense. Des priorités qui seront analysées prochainement pour permettre à l'agglomération d'actualiser son projet de territoire. Oui, en fait, on se donne un délai long et court. On se donne 2 mois pour essayer de rassembler le maximum de questionneurs, qu'on puisse avoir aussi des ambassadeurs qui viennent dans les différentes communes. C'était ça aussi l'intérêt de cette démarche ce soir. Mais en même temps, de pouvoir avoir le temps de les analyser, parce qu'on espère quand même en avoir une masse critique assez importante. L'agglo, c'est 250 000 habitants. Donc ça nous permet peut-être pas 250 000 questionneurs, mais sur ce type de démarche, devoir avoir un effet assez significatif. Et surtout, derrière, nous, à la fois regarder si on est dans le vrai, dans les thématiques, regarder aussi peut-être si des thématiques apparaissent, comment on peut les amener aussi dans la réflexion collective, et puis commencer à tisser ce fil conducteur qui nous permette de raconter l'histoire de l'agglo dans 10 ans, et puis de voir un peu comment on peut rêver ensemble.